qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Comme des coups de couteau là qu'on plantait dans la gencive, là, comme ça, 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 jaune, et que je les aurais préférés dans un coloris plus pastel, plus gay, quoi, parce que, et vous allez pas me dire, hein, mais, ça va un peu de tout, je m'en occupe. Moi aussi, j'ai la main verte, petite Isabelle. Regarde. Guili, 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 guili. Dans la bouche de vos patients, elles font les miracles, vos petites mains. Ah, excusez-moi, parce que j'ai pas eu le temps de me laver les dents. Mais, non, mais c'est pas grave. Moi, j'ai déraillé et je me suis pas lavé les mains. Je te réveille pour moi, que la réunion est là-bas, la réunion. Ça, hein, mais... Moi, ce que j'y reproche surtout, c'est que faut toujours qu'il expérimente des nouvelles choses. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Il m'a percé le crâne. Non, si. Avec la mèche. Non, avec une perceuse. Si. C'est Michel Onfray. Mais Mireille, mais enfin, mais où vas-tu? Mais reviens, Mireille. Mais, allons. Moi ça, n'importe quoi. Même pas bonjour, même pas merci. Mademoiselle Galois. Mademoiselle Galois. Mais qui c'est celle-là, là encore, Mademoiselle Galois. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux?